Eh ben, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est mi-juillet, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont déjà en vacances, d'autres qui attendent le mois d'août avec impatience, je suppose. Voilà, donc les vacances cette année, ça va être un petit peu bizarre avec les événements actuels, dus à l'épidémie de cette Covid-19 qui nous emmerde tous d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de moulicotage. Alors, j'avais dit que je ferais une vidéo sur le moulicotage, puisque bon, quelques-uns m'ont demandé d'en faire une tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous montrer avec quoi je moulicote. Alors, c'est toujours pareil, hein. Il y a peut-être d'autres façons de moulicoter. Bien que je pense pas qu'il y ait 36 façons de moulicoter des balles. Je sais qu'il y a eu un essai à une époque avec du moulicotage en bombe. Je le sais parce que je l'ai essayé et puis en fait, non, mais ça marche pas du tout. C'est vraiment de la merde. Donc, je suis revenu à un moulicotage beaucoup plus classique, qui se fait comme ça depuis pas mal de temps. Donc le moulicotage, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant quelques années. Je moulicote depuis de nombreuses années et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors c'est comme tout, hein, c'est comme tout. Le moulicotage, c'est un petit peu comme le recuit-décollé. Il y en a qui diront que c'est plus de la croyance, d'autres qui sont convaincus comme moi. Voilà, c'est un petit peu comme tout, hein. Chacun sa petite religion sur le sujet. D'autres le font pas, d'autres ont essayé, ont arrêté. Moi, j'y trouve un intérêt et c'est pour ça que je le fais. C'est comme le recuit-décollé pour moi est systématique maintenant dans mon mode de rechargement et le moulicotage en fait partie aussi. Voilà. Alors, avant de voir le procédé de moulicotage que j'utilise, qui n'a rien d'exceptionnel, je ferai un détail du matériel dont on a besoin. Mais avant toute chose, on va parler un petit peu du moly, on va parler des avantages et inconvénients du moulicotage. Voilà. Alors, j'ai préparé une petite liste ici. Voilà. Donc, avantages et inconvénients du moulicotage. Alors, le premier des avantages que je trouve dans le moulicotage, c'est qu'il n'y a pas de colle-bord. Voilà. Alors, le colle-bord, je suppose que vous avez remarqué, le matin, vous arrivez au stand, vous posez votre carabine sur la table de tir, et forcément, dans votre série de cartouches rechargées, vous avez prévu une voire deux cartouches pour faire chauffer le tube, comme on dit vulgairement, pour faire chauffer le tube. C'est ce qu'on appelle le colle-bord. D'ailleurs, lorsqu'on fait des concours, que ce soit le King of One Mice ou Two Mice, dans le concours, là, il y a ce qu'on appelle le colle-bord. C'est-à-dire, c'est une cartouche gratuite qui sert à faire chauffer le tube et à mettre en condition le tube. Voilà. Alors, un avantage, moi, ce que j'ai remarqué avec les balles moulicotées, c'est qu'il n'y a pas de colle-bord, ou très peu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la première cartouche que je tire le matin, donc canon froid, voilà, et ben j'ai remarqué avec les années et puis l'expérience que cette cartouche, en fait, elle restait très très bien dans le groupement. Elle ne sortait pas du groupement et aussi la vitesse reste constante avec le restant de la série. Voilà. Donc c'est pour moi un des avantages du moulicotage. Ça élimine. Alors, quand je dis ça élimine le cold bore, on va dire que oui, il y a moins de différence de vitesse entre la première cartouche et la deuxième cartouche lorsqu'on commence à tirer les premières séries. Voilà. Puis dans le groupement, c'est pareil. Il n'y a quasiment, je dis bien quasiment, aucun décalement de la première cartouche par rapport au reste du groupement. Imaginez, vous avez une série de 5 cartouches, c'est le matin, vous tirez votre première série, et ben de la première cartouche à la dernière cartouche de votre série de 5, le groupement ça sera dans le groupement. Voilà. Et puis les vitesses resteront répétables. Alors, deuxième avantage que je trouve dans le moly, c'est des vitesses plus régulières.
Là aussi, c'est difficilement démontrable. On va dire que c'est quelque chose que j'ai remarqué plus par expérience. D'autant plus que si vous faites vraiment du très très bonne cartouche avec, alors je ne vais pas énumérer tout ce qu'il faut faire sur une cartouche pour produire de la cartouche qualitative. Mais alors, il y en a qui vont me dire, oui, oh, ben, moi je m'olicote pas, mon SD est très petit, j'ai un SD de l'ordre de 2 mètres secondes, ça me convient très bien. Le fait de m'olicoter, bon, ça ne va pas non plus diminuer à 1 mètre seconde, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais je pense, je crois, vous allez me dire, oui, c'est plus une croyance, c'est vrai. Ouais, c'est plus une croyance, c'est vrai. Je crois que ça joue un petit peu sur la régularité des vitesses. Ensuite, usure du canon. Alors, usure du canon, j'ai mis trois points d'interrogation derrière. Pourquoi? Parce que, alors, le fait de mollicoter, selon la légende, diminue l'usure du canon. Ça, j'y crois que très très moyennement. D'autant plus que ce qui fait l'usure d'un canon, c'est pas tant le passage de la balle dans les rayures du canon, mais ce qui use vraiment un canon, beaucoup plus que le passage d'une balle dans le canon, ce qui use vraiment le canon, c'est plus le front de flamme qui est derrière la balle, cet effet chalumeau, on appelle ça comme ça, un effet chalumeau, qui est derrière la balle, et quand la poudre elle brûle, elle brûle, littéralement, elle brûle les rayures, voilà. Et surtout la prise de rayures, voilà. Donc ce qui fait vraiment l'usure d'un canon, c'est plus le front de flamme, l'effet chalumeau, plutôt que le frottement de la balle à l'intérieur du canon. Donc du coup, le fait de mollicoter, de là à vraiment vérifier scientifiquement que ça réduit l'usure du canon, là aussi c'est pareil, on pourrait en débattre pendant des heures. C'est pour ça que j'ai mis ça avec des points d'interrogation, parce que c'est pas quelque chose, ça je n'y crois pas. Voilà, enfin je n'y crois pas, j'y crois beaucoup moins en fait. Ensuite, avantage, quatrième avantage, moins de pression. Alors ça par contre, c'est vrai, moins de pression derrière la balle. C'est tout simplement, vous faites l'expérience. Vous prenez deux cartouches exactement identiques, même balle, même poudre, même pot de poudre, même amorce, deux cartouches parfaitement identiques. Vous mollicotez une balle et l'autre, vous ne la mollicotez pas. Lorsque vous tirez ces deux cartouches, vous verrez que les vitesses de la balle qui est mollicotée vont être inférieures. Alors, je ne dis pas largement inférieures, elles vont être inférieures à une balle non mollicotée. En règle générale, on va dire pour la même cartouche, en prenant par exemple du 308, hein, vous perdez en moyenne entre 10 et 15 mètres secondes avec une balle mollicotée par rapport à une balle non mollicotée. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est pas intéressant si on perd de la vitesse. Le but du jeu, c'est d'avoir de la vitesse, justement. Et bien, tout simplement, vous mettez un peu plus de poudre. C'est tout simple. Donc, ça veut dire que si vous avez, par rapport à la cartouche que vous développez, si le régime vibratoire du canon, donc si votre sweet spot est à, on va dire, je vais prendre un chiffre arbitrairement, à 850 mètres secondes, on va dire, avec une balle non mollicotée, si vous tirez une balle mollicotée, vous verrez que la vitesse va chuter à 835 mètres secondes. Il suffit de rajouter un peu plus de poudre pour revenir à 850 mètres secondes avec une balle mollicotée, ce qui fait que vous retomberez automatiquement sur votre régime vibratoire et le sweet spot du canon. Donc ça fera l'affaire. Donc vous pouvez retrouver votre groupement, évidemment. Bon, alors c'est un faux problème, parce que moi je ne développe pas de charge, à part dernièrement là avec le 338 là, pour Magnum, où j'ai développé de la charge avec des balles non mollicotées quand je faisais les essais TPM. Mais bon, vous avez vu que par la suite, avec les 338 partisans de 150 grains, j'ai mollicoté les balles, parce que je tire que de la balle mollicotée. Donc du coup, lorsque je fais un développement de charge pour une cartouche, pour un calibre donné, de toute façon, comme je mollicote systématiquement mes balles,
balles, ça change rien au développement de charge. Je mets de la poudre jusqu'à temps d'arriver au sweet spot. Et une fois que j'ai trouvé mon sweet spot, donc après, je valide ma cartouche et le procédé pour faire la cartouche restera le même. Voilà. Ensuite, avant-dernier avantage, nettoyage du canon. Alors, l'avantage de Molicoté, c'est le nettoyage du canon. Je le ferai voir tout à l'heure avec quel ingrédient et la procédure pour nettoyer le canon. Alors, le nettoyage du canon, lorsqu'on tire de la balle Molicoté, en fait, il est très très simple. Il suffit juste de passer un patch avec de la pâte JB. Là, je montre, voilà, pâte JB. Voilà. Donc un patch au bout du jag avec un chiffon, avec un patch quoi, et quelques allers-retours de cette patch JB à l'intérieur du canon. En général, je fais ça donc après avoir fini ma séance de tir. Donc à même le stand de tir quoi, je passe un patch de patch JB, je fais quelques allers-retours. Alors c'est pas la peine de faire ça pendant 2 heures, hein, ça prend pas plus de 5 minutes, voilà. Et après je nettoie donc les résidus de pas de JB avec de l'huile de Kreuil. Alors l'huile de Kreuil, voilà, c'est donc ce produit, voilà, l'huile de Kreuil. Alors c'est une huile, bien sûr, que vous allez trouver. Alors ça, j'ai acheté la pâte JB et l'huile de Kreuil. Vous trouverez ça chez ESP à Vienne, donc l'armurerie ESP France. Sûrement qu'on trouve ça ailleurs, mais bon, bah, là c'est là où je me fournis lorsque j'ai besoin de me réapprovisionner en produits. Et donc après, une fois que je passe l'huile de Kreuil, c'est pour nettoyer le restant de pâte JB. Et puis surtout, de neutraliser un petit peu le bisulfure de molybdène. Donc le moly, ce qu'on appelle le moly, s'appelle du, en fait, c'est du bisulfure de molybdène. Le neutraliser avec l'huile de Kreuil. Parce que c'est vrai, il faut quand même avouer un truc, c'est que le bisulfure de molybdène n'aime pas trop l'humidité. Il fait une petite réaction et il a tendance à faire rouiller l'acier si on stocke l'arme non nettoyée avec un peu d'humidité. Donc bon, en général, alors pas de panique, votre canon ne va pas rouiller. N'imaginez pas une seconde que votre canon va rouiller à la vitesse de la lumière. Je dis ça parce que c'est un fait. D'accord. Il faut quand même penser à neutraliser le bisulfure de molybdène, ne pas le laisser tel quel, c'est-à-dire que lorsque vous tirez des balles molicotées, nettoyez le canon, n'attendez pas 15 jours, 3 semaines, sinon vous risquerez d'avoir un petit début de piqûre de rouille à l'intérieur du canon. Néanmoins, attention, c'est pas non plus, c'est pas, voilà quoi, faut raison garder quoi. Mais il faut le faire, donc l'huile de Kreuil sert à ça, donc un petit coup d'huile de Kreuil derrière. Alors moi j'ai encore une autre petite astuce, c'est que lorsque j'ai passé mon huile de Kreuil pour nettoyer la pâte JB, je remets un petit coup d'huile de Kreuil. Alors dans cette petite burette là, il y a de l'huile de Kreuil avec de la poudre de donc du bisulfure de molybdène mélangé. Alors pourquoi je passe un dernier patch avec ce petit mélange, c'est-à-dire qu'une fois que l'huile de Kreuil, à savoir, c'est comme un solvant en fait, elle va l'huile de Kreuil va s'évaporer. Et donc dans cette petite topette là, j'ai un petit mélange sympathique d'huile de Kreuil et de bisulfure de molybdène. Et lorsque l'huile de Kreuil s'est évaporée, elle me laisse une petite couche de bisulfure, alors évidemment, qui sera neutralisée par l'huile de Kreuil, mais ça me laisserait un petit film avec du bisulfure de molybdène, ce qui fera que pour la séance d'après, le premier coup sera encore meilleur. Il n'y aura vraiment pas de colbore, à vitesse régulière. Enfin voilà, c'est une façon de conditionner mon canon en vue d'une prochaine séance. Voilà. Alors, dernier avantage du moly, et ça c'est quelque chose que j'ai pu vérifier, c'est une réduction de l'encuivrage. Alors, quand je dis réduction, je ne dis pas élimination complète de l'encuivrage, mais une réduction vraiment drastique. Comment je vais pouvoir expliquer ça? Si vous avez un borescope, que vous faites l'essai, vous tirez par exemple, on va dire, une bonne séance un après-midi, vous tirez une cinquantaine de cartouches de votre calibre préféré. Vous passez le borescope, d'abord vous passez un petit coup de nettoyage pour enlever les produits carbonés, sans ammoniac,
de façon à ne pas enlever le cuivre, et vous remarquerez qu'il y a quand même un encuivrage, un certain taux d'encuivrage. Faites la même expérience en tirant 50 cartouches avec des balles mollicotées, enlevez les produits carbonés et regardez l'encuivrage qui vous restera. Et vous remarquerez que vraiment l'encuivrage est réduit de façon drastique. Voilà. Ensuite, voilà donc un peu les avantages. Alors, bon, ça c'est les avantages du molly, on va dire, c'est les avantages principaux. Voilà, principaux. L'inconvénient, alors bien sûr, il en faut un, puisqu'il n'y a pas que des avantages de la vie, sinon ça serait vraiment trop bien. Voilà. Il y a un inconvénient, c'est un petit peu de travail. Voilà, un petit peu de travail. Alors, je le marque bien, un peu de travail, vous allez voir. Le mollicotage, c'est du travail en temps masqué, ce que j'appelle le temps masqué. C'est-à-dire que, en fait, c'est les appareils qui travaillent pour vous. Voilà. Il y a juste un petit peu de préparation qui va prendre 5 minutes. Chaque étape va prendre 5 minutes de préparation. Le reste, c'est le matériel qui va travailler pour vous pendant que vous pouvez faire autre chose. Et c'est ce qu'on appelle du temps masqué. Donc, en fait, au résultat, lorsque vous faites le bilan, vous verrez que, en fait, c'est pas tant de travail que ça. Ok, allez, on va un petit peu faire le tour du matériel dont on a besoin. Alors, le mollicotage se fait avec un tumbler, donc, mais pas humide, donc un trembleur sec. Donc ça, c'est l'outil que tout le monde connaît pour nettoyer les étuis. Et aussi, donc, il y a un petit kit de chez... Donc ça, c'est un kit Liman, si je ne m'abuse, qui sert aussi à faire le mollicotage. Voilà. Alors, c'est un, moi j'utilise un Liman Turbo 1200. Voilà. Bon, après, voilà, des tombleurs secs, il y en a différentes marques. On s'en fout, c'est pas le problème. Par contre, un truc que je ne sais pas, je sais que Liman fait des kits complets de mollicotage, donc avec ici les deux bols là, que l'on voit, les médias, le molly, enfin voilà. Donc il y a le kit Liman. Je ne sais pas si les autres marques RCBS, tout ça, font des kits pour le mollicotage. Bon, du coup, voilà, moi c'est ce que j'utilise, c'est le kit Liman, tout simplement. Alors, de quoi se compose ce kit Liman? Donc nous avons ici deux bols. Alors, c'est deux bols dédiés, hein. C'est les deux mêmes, une fois que... voilà, avec donc des... là, c'est du média en céramique. Voilà, faut éviter de trop toucher, c'est quand même crado, le molly, on verra ça tout à l'heure. Donc c'est du média céramique. Voilà, alors c'est à vie, hein. ça se change pas. Ça ne se change pas du tout. Ça se nettoie par contre. Hein, ça se nettoie. Moi, de temps en temps, quand je vois que les médias sont vraiment trop chargés en molly, ce que je fais, je mets tout ça dans une bassine avec de l'eau très chaude et un peu du pec citron, enfin un produit de vaisselle, quoi, quelque chose de savonneux. Et puis, je nettoie les médias avec ça. Même les bols, je les nettoie. On n'enlève pas tout, hein, on ne remet pas à propre, comme un sous-neuf, mais on enlève 90% du molly, et après on laisse sécher tout ça et ça repart. Ensuite, le deuxième bol ici, alors là ici on voit, c'est de la semoule, voilà, c'est du couscous, hein, tout simplement. Alors là il est sale parce qu'il a été utilisé la dernière fois. Là je vais y remettre des couscous, voilà. Couscous acheté chez Lidl, voilà. Je fais un peu de pub. Non, c'est pas de la pub. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut du bisulfure de molybdène. Alors c'est pas du Nutella là-dedans. Je place encore des pubs, tiens. C'est en fait que j'ai stocké ça là-dedans parce que c'est plus pratique. Donc du bisulfure de molybdène, voilà, avec une petite cuillère pour doser. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? C'est déjà pas mal. Et il nous faut des balles. Voilà. Alors aujourd'hui, on va mollicoter des balles Partisan en calibre 30. Des balles de 175 grains Partisan. Alors c'est attention, hein, ça rigole pas, c'est des Partisan match. Voilà. Donc pourquoi je vais mollicoter ça aujourd'hui? Parce que j'avais parlé, je vous avais dit que j'allais... bientôt avoir une petite nouvelle dans l'armoire forte, donc une 308.
que je vais récupérer normalement cette semaine qui arrive. Et donc, je vais pouvoir faire mes premiers essais avec cette 308, enfin, faire mes premiers développements en charge avec cette nouvelle 308 le week-end prochain, si tout se passe bien. Donc, c'est pour ça que bah, aujourd'hui, je vais en profiter, je vais mollicoter de la balle match partisan. Voilà, puis on verra bien ce qu'on peut faire avec. Voilà. De quoi on a besoin? On a besoin d'un pot à cornichons. Alors, un pot à cornichons, pourquoi? Pas pour faire des cornichons. C'est parce que en général, il vaut mieux nettoyer les balles, même si elles arrivent propres. Alors, quand on prend des marques comme Sierra, Ornady, des marques vraiment réputées, en général, on peut passer l'étape nettoyage. Parce qu'en général, elles arrivent, les balles sérieuses, on va dire, elles sont hyper propres. C'est rare de trouver des balles un peu dégueulasses dans la boîte. Ça serait pas très vendeur pour eux. Par contre, Partisan, bon, ben, c'est Partisan, quoi. Voilà. Donc, elles arrivent toujours un petit peu sales. Avec elles sont grasses, elles sont pas terribles, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais les nettoyer. Alors, la dernière fois, j'avais carrément nettoyé au tumbler humide les 250 grains Partisan, là, parce qu'elles étaient vraiment dans un état lamentable. Là, comme elles ont l'air d'être pas trop trop dégueulasses, donc là, ça sera un nettoyage rapide. Donc, je vais prendre de l'acétone, je vais mettre les balles Partisan dans le bocal à cornichons, je vais prendre de l'acétone, je vais remuer tout ça, histoire de dégraisser un petit peu la balle. Et puis après, je vais les faire sécher sur cette serviette. Et puis on lancera la procédure de mollicotage. Voilà. Donc voilà à peu près tout ce dont on a besoin. Voilà. Et ben allez, c'est parti. Parce que là, ça fait déjà 21 minutes que je parle et que je raconte ma vie. Je sais que mes vidéos sont toujours un peu longues. Donc là, je vais couper là, je vais faire les différentes étapes. Ça va être du bout à bout, et comme ça, on aura une vidéo qui sera pas trop trop longue. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, c'est bon. Donc du coup, bon, bah voilà, j'ai mis donc les balles. Oh bah, fais gaffe au bouchon qui se dévisse pas. Voilà. Allez, j'ai mis les balles dans le bocal à cornichons avec un peu d'acétone. Je remue tout ça. Et une fois que ça sera bien remué, à ce moment-là, je les étalerai sur le chiffon pour les faire sécher un petit peu. Et puis on va mettre tout ça au mollicotage. Ok, ça y est. Donc là, j'ai brassé un petit peu mes balles à l'intérieur du pot de cornichon. J'ai vidé le maximum d'acétone qui était au fond. Allez, hop. On met tout ça sur un chiffon propre. Voilà. Alors l'avantage bah, de l'acétone, c'est que bah, comme vous le savez, hein, je pense que tout le monde connaît l'acétone, c'est quelque chose qui est tellement volatile que ça sèche très très rapidement. Voilà, il suffit d'un petit peu les frotter sur le chiffon et on a des balles qui sont propres et sèches. Voilà. Donc là, on le sent quand on passe le doigt dessus. On voit que bon, il n'y a pas de gras, voilà, elles sont sèches, elles sont bien, elles sont propres. Ok, allez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc tout simplement, on met toutes les balles. Alors je vais attendre juste quelques minutes, histoire de bien être sûr que ça s'est évaporé. Ça m'a l'air bien. Allez, c'est bon. Donc il nous reste à mettre tout ça. Alors je me mets dans le champ, voilà. Donc là, on met dans le bol avec les médias. Hop, allez. Et voilà. Ok. Ensuite, le bisulfure de molybdène. Alors, la quantité de bisulfure, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, regardez,
La petite cuillère doseuse, vous voyez la quantité que j'ai mis là, c'est vraiment, alors avec l'expérience, vous trouverez la bonne dose, mais c'est vraiment très peu. Il n'en faut pas beaucoup. Et surtout, il ne faut pas en mettre beaucoup pour la bonne et simple raison, c'est qu'après, ça va surcharger, ça va faire une surcouche. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment déposer vraiment un film de bisulfure de molybdène sur la balle, et on ne veut surtout pas que ça fasse une épaisseur. Voilà. Alors, voilà, j'éparpille un petit peu. Alors d'autant plus que comme les médias, ça fait deux ou trois fois que je molicote des balles et que je n'ai pas nettoyé les médias. Les médias, eux, ils sont déjà chargés un peu en moly, quoi. Donc c'est pas la peine d'en rajouter beaucoup à chaque fois parce que ça va très vite quand même. Voilà. Donc après, bah, on pose tout l'ensemble sur le tumbler, le trembleur, tumbler, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Je suis dans le champ, je suis dans le champ. Ok. Voilà. Alors, petit truc, le molicotage, faites-le à l'extérieur. Ne le faites pas dans un endroit trop clos. Parce que lorsqu'on met le couvercle, vous verrez, c'est pas non plus d'une grande étanchéité. Et puis surtout que le bisulfure est tellement fin que ça passe de partout. Donc, si vous ne voulez pas retrouver la pièce dans laquelle vous faites le molicotage avec des traces de molybdène un peu de partout, faites-le en extérieur. Donc, moi j'ai l'avantage, j'ai une maison individuelle, donc j'ai du terrain. Donc, je laisse ça tourner, je laisse tourner ça sur la terrasse, c'est très bien. Allez, on referme. Voilà. Et voilà, allez, on va mettre ça à tourner. Alors, le temps, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de mettre un petit chronomètre comme si vous faisiez de la cuisine. Donc, vous mettre un petit timer, faites des étapes de 15 minutes, une première étape de 15 minutes, parce qu'il ne faut pas le laisser vraiment tourner très longtemps. Moi, je laisse tourner 15 minutes. Après, je fais un contrôle. Si je vois que, selon l'état visuel de mes balles, s'il manque un petit peu de moly dessus, si je vois qu'elles ne sont pas trop recouvertes de moly, à ce moment-là, je les laisse tourner 5 minutes de plus. Mais surtout, ne faites pas, ne laissez pas tourner pendant 1 heure. Parce que là, vous allez vous retrouver avec une surépaisseur de moly sur la balle. Et là, ça serait vraiment contre-productif. Donc, faites des étapes de 15 minutes. C'est largement suffisant la plupart du temps. Après, selon la balle, selon plein de choses, plein d'autres critères, vous pouvez rajouter 2, 3 minutes, 5 minutes, voilà. Mais ne lancez pas pendant 1 heure d'emblée de jeu, parce que là, vous allez être plus emmerdé qu'autre chose. Voilà. Allez, on va faire tourner ça, et puis après, on verra le reste des étapes. Bon, allez, ça tourne. Donc là, je vais laisser tourner 15 minutes. Alors évidemment, la vidéo, je ne vais pas la laisser tourner 15 minutes. On verra tout à l'heure le restant de la procédure. Bon ben voilà, ça y est, ça fait un quart d'heure que les balles sont au molicotage. Donc là, j'ai fait tourner un quart d'heure, c'est largement suffisant. Donc après, il reste plus qu'à séparer donc les balles du média. Alors pour ça, j'utilise donc ceci, donc alors ça c'est vous l'aurez reconnu, c'est un panier de lave-vaisselle, voilà, que j'ai recyclé. Une bassine dédiée à ça, donc cette bassine elle ne me sert que à faire du molicotage. Donc tout simplement, hop, je répartis l'ensemble média et balle à l'intérieur. Tout simplement. Après, il faut secouer. Voilà. Donc là, il ne me reste plus que les balles dans l'état du panier. Je vérifie au passage qu'il n'y ait pas une balle qui soit échappée. Non, ça c'est bon. Je remets l'ensemble dans le bol. Voilà. Je vide mes balles. Voilà. Donc là, je me retrouve avec les balles molicotées. Alors, je vais
donc les mettre dans ce bol. Là, je vais changer la semoule, donc le couscous, la semoule, parce que là, celle-là a déjà pas mal servi. Donc, je vais changer la semoule et puis après, je vais mettre à tourner pendant. Alors là, par contre, pour polir, donc ça va me servir à polir le. Enlever le surplus de molly sur les balles et surtout à les polir un peu. Donc là, je peux laisser tourner une heure. Voilà. Ok, j'ai changé ma semoule. Voilà, semoule propre. Bon, c'est pas la peine de la changer à chaque fois. Moi, je la change en général toutes les trois utilisations. Ça me va. En plus, la semoule, c'est le truc vraiment pas cher. Donc autant avoir quelque chose de correct. Donc toutes les trois utilisations, donc je change. Allez, et c'est reparti. Donc là, on va laisser tourner une heure. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire autre chose. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben voilà. Donc là, ça fait un peu moins d'une heure. Ça fait, on va dire, en gros 40-45 minutes que mes balles sont en train de passer donc au polissage. Voilà. Allez, on va voir un peu le résultat. Je pense que là, ça devrait pas être mal. Ça devrait pas être mal du tout. Ok, donc là tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que le couscous, lui, il a pris une belle couleur, puisque forcément, ça polie donc les balles. Alors, donc voilà, voilà le résultat. Alors là, je ne sais pas si on le verra bien avec le contre-jour. Je vais essayer de, voilà, de lever un petit peu, faire une meilleure mise au point. Donc ce qu'il faut bien regarder, c'est l'état de surface de la balle. Donc il faut vraiment que visuellement on ne voie pas la moindre aspérité. Là elles sont vraiment nickel, là. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, si ça se voit bien, mais elles sont vraiment super, elles sont lisses. Alors avant de les passer donc au polissage, c'est à dire avec la semoule, si je l'avais pris cette balle dans les mains juste après l'avoir passé donc au mollicotage avec les médias céramiques, on verrait, voilà, ça laisserait une marque sur mes doigts, voilà. C'est-à-dire que j'aurais les doigts qui seraient, ça serait taché par le moly. Là, on voit vraiment que ça ne laisse aucune trace. Donc là, elles sont bien polies. Il y a vraiment une fine très 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 mince, vraiment une pellicule de moly sur la balle. Et le point important pour voir si on a fait vraiment du bon boulot, c'est que il n'y ait pas, ça ne tache pas les doigts. Alors, je vais le faire avec un petit chiffon blanc. Voilà, c'est un patch, tout simplement. Vous voyez, lorsque je frotte bien ma balle contre le patch, voilà, aucune trace de molly. Et donc là, on sait qu'on a fait vraiment du bon boulot. Voilà. Donc là, elles sont très très bien mollicotées. Si vous faisiez ce test et que votre patch serait sali par le molly, il y a deux solutions. Ou vous avez laissé tourner trop longtemps le molly et vous avez mis vraiment une trop grosse épaisseur de molly sur la balle. Ou alors elle serait pas assez polie par le couscous. Donc c'est le test. Voilà, vous prenez un petit chiffon blanc et si vous laissez aucune trace sur le patch, voilà, le patch reste blanc. Là, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc après, la procédure, c'est simple. Hein. Comme tout à l'heure, on prend le panier pour séparer donc les balles du couscous. Ça, vous avez vu la procédure, c'est la même que tout à l'heure. Voilà, donc la vidéo, je vais la terminer. Là, la luminosité commence à baisser, donc puis c'est bon, c'est maintenant que vous avez compris le principe. C'est pas la peine de s'y attarder plus. Juste pour finir cette vidéo, un point hyper important que j'ai pas développé tout à l'heure. Alors, on tire de la balle mollicotée dans un canon nettoyé à blanc. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous tirez de la balle non mollicotée et que vous voulez vous mettre au mollicotage, il est impératif de mettre le canon à blanc. On ne tire pas de la balle mollicotée dans un canon qui a tiré de la balle non mollicotée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment enlever toute trace de cuivre dans le canon, remettre le canon à blanc, et une fois que vous avez mis le canon à blanc, à ce moment-là, vous pouvez tirer de la mollicotée.
La même chose, le retour en arrière est possible. Si vous voulez arrêter de mollicoter et repasser donc à des balles non mollicotées, à ce moment-là, remettez le canon à blanc, faites un gros nettoyage. Pour ça, tous les produits de nettoyage sont bons, hein, puisque bon là après ça fait une bonne séance de nettoyage, mais le molly s'enlève très très bien avec n'importe quel produit, genre MC7 Shooter Choice, ou comme tout à l'heure, comme je vous ai expliqué dans notre vidéo, du Mirror Argentil, Mirror Cuivre, voilà, tout produit de nettoyage. Si vous arrêtez de mollicoter et que vous voulez retourner à des balles non mollicotées, remettez le canon à blanc avant de tirer. Alors, quand je dis remettez, il ne se passera rien de particulier au niveau de la sécurité, hein. C'est pas ça que je veux dire. Le canon risque pas d'exploser si vous oubliez. On va dire que c'est plus dans la logique, quoi. Voilà. Donc n'oubliez pas, nettoyez votre canon à blanc si vous voulez faire du mollicotage. Et une fois que vous avez commencé à tirer des balles mollicotées, ben je vous expliquais la procédure de nettoyage avec la pâte JB et l'huile de Kroll. Et puis le jour où vous arrêtez, vous renettoyez à blanc et vous tirez de la balle non mollicotée. C'est tout simple. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté de passer de l'un à l'autre et il n'y a pas de problème. Si vous voulez tenter l'expérience, si vous voulez essayer, comme je l'ai dit, essayez, et puis si vous êtes convaincu, vous ferez comme moi, vous mollicoterez. Si vous n'êtes pas convaincu, vous vous arrêterez, tout simplement. Chacun est libre de faire comme il veut. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la partager, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas dans les commentaires. Les commentaires sont là. Je pense que je n'ai jamais oublié de répondre à une question dans un commentaire, soit pour dire que j'ai aimé le commentaire, soit pour répondre à une question si une question m'est posée. Voilà, donc n'hésitez pas. Et au passage, j'en profite de cette petite vidéo pour faire un petit coucou, un petit salut amical à quelques-uns de mes abonnés qui m'ont contacté et puis avec qui j'ai des fois de longues discussions au téléphone. Donc un petit coucou à Alex. Un petit coucou à Patrick, à Strelok 117, à Jean-Pierre qui s'est mis au 300 Savage, et Charles, et puis j'oublie sûrement d'autres, voilà, donc des abonnés de cette chaîne qui m'ont contacté, avec qui j'ai plaisir à discuter, et puis voilà. Et d'ailleurs, certains que je vais même croiser sur des pas de tir, puisque avec certains abonnés, on se donne de temps en temps rendez-vous, et histoire de se rencontrer, et faire se rencontrer physiquement, et puis c'est sympa de pouvoir échanger comme ça, quoi, voilà. Et ben voilà, allez, je vous dis à la prochaine, et puis comme toujours, santé et prospérité.